Les manœuvres militaires internationales se poursuivent au Sénégal et dans les activités au programme, la lutte contre le terrorisme, c'est ainsi qu'un exercice de simulation d'une voiture piégée a été effectué à Thiès. Comment conduire l'enquête post-attentat? Qui sur la zone et quel est le mode d'investigation? Beaucoup d'interrogations au cours de cette formation menée avec les experts du FBI, compte rendu Oumar Diaw. Un drone survole tranquillement une savane desséchée par les vents chauds. Ce qui reste de végétation risque d'être brûlé par ce qui va suivre. Le fait de faire exploser un véhicule en grandeur nature et d'amener les officiers de police judiciaire donc à rechercher des éléments de preuve en vue de l'identification des auteurs de l'acte terroriste. Identifier les auteurs d'un acte terroriste n'est jamais un exercice banal. La recherche d'indices, la collecte et l'examen des restes relèvent de procédés minutieux qui s'apprennent. La formation consiste à entraîner les stagiaires à pouvoir faire des enquêtes après explosion, trouver des indices qui pourront mener probablement aux éventuels auteurs de ces actions et permettra l'anticipation. L'anticipation est nécessaire lorsqu'on cherche à combattre le terrorisme. Apporter une réponse efficiente et efficace. Contre cette menace qui n'épargne aucune nation aujourd'hui. Le Sénégal n'est pas plus exposé qu'un autre pays. La menace, elle est globale. Les actes post-attentat nécessitent l'intervention de compétences variées. Des magistrats, des officiers de police judiciaire, à travers les unités de la police nationale, celles de la gendarmerie nationale, mais également les membres de la communauté du renseignement. Cette formation des enquêteurs s'est déroulée en deux phases. La partie théorique s'est effectuée à l'École nationale de police et la pratique au centre d'entraînement tactique de Thiès, le tout avec l'appui du FBI dans le cadre de Flintlock 2016.